Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message des archanges de ce mardi 5 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la carte de l'archange Raziel. Reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Reprenez votre pouvoir. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un d'autre ou à d'autres. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique. Peut-être que, au point de vue professionnel, eh bien, vous êtes en relation avec un manipulateur pervers narcissique. Ou bien, côté sentimental aussi avec un personnage qui est un manipulateur et vous n'avez plus votre pouvoir, vous avez laissé votre pouvoir derrière vous. Donc, Raziel, ce bel archange Raziel, il vient vous dire, mais reprenez votre pouvoir, hein. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre bateau, vous êtes le capitaine de votre bateau. N'oubliez pas que votre âme, elle s'est réincarnée dans ce corps. Ce corps, c'est votre véhicule, mais c'est vous seul qui conduisez ce véhicule. Alors, travaillez avec l'archange Raziel. Eh bien, le nom de l'archange Raziel signifie « les secrets de Dieu ». Et cet archange, eh bien, il vous aidera à comprendre des idées spirituelles ésotériques et à les exploiter de façon utile. Alors, sans plus attendre, faites appel à Raziel pour qu'il vous assiste dans, eh bien, votre travail d'alchimiste afin de changer les idées en or. Message de ce bel archange. Vous êtes certainement un être de lumière. Bien sûr, vous êtes un sage. Et il est maintenant temps de rassembler votre force et votre pouvoir spirituel et certainement d'user de votre autorité. Bien sûr, on ne vous demande pas de taper sur la table, n'est-ce pas? Avec amour et fermeté, eh bien, vous avez la possibilité de transformer vos intentions en réalité. Alors, on vous invite, l'archange Raziel, Raziel, vous invite, eh bien, à faire des prières. Des prières liées à vos intentions. Vous savez, je le répète souvent, l'intention est très importante. Et ainsi demander des instructions à ce bel archange Raziel et des signes en même temps pour perfectionner vos manifestations à un niveau aussi élevé que possible. Demandez, n'oubliez pas, que si vous ne demandez pas, les archanges et les anges ne viendront pas à vous. Vous devez les solliciter. Alors, je termine avec les petites prières de guérison, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé vitalité. Mes anges, merci de renforcer ma vitalité
à chaque instant pour que je puisse profiter pleinement de tous les cadeaux de l'existence. Mon niveau d'énergie n'est que le reflet de mes pensées. Alors, aujourd'hui, je décide de nourrir des pensées positives en toute situation et en toute circonstance. Le positif attire le positif. La vitalité, c'est quoi ? C'est la force de vie, n'est-ce pas ? Petite question, est-ce que certains d'entre vous, vous vous épuisez plus que vous ne vous ressourcez ? Deuxième petite question, est-ce que parmi vous, vous oubliez, vous, au service des autres, lequel se nourrisse de votre énergie vitale ? Demandez-vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous suce, qui vous tire vers le bas, qui tire cette vitalité que vous avez en vous ? Alors, autre question, est-ce que votre vie est-elle en accord avec vos rêves ? Est-ce qu'elle est-elle en accord avec vos aspirations ? Est-ce que vous vous faites respecter ? Est-ce que vous êtes respecté par votre entourage ? Avez-vous suffisamment d'espace pour trouver votre juste place ? Je trouve que c'est une belle synchronicité avec l'archange Raziel qui dit que vous devez reprendre votre place. Eh bien, ici aussi, avez-vous suffisamment d'espace pour trouver votre juste place ? Voilà. Aujourd'hui, vous allez répéter 3 fois. Je suis la joie, je mérite la joie. Je suis la joie, je mérite la joie. Je suis la joie, je mérite la joie. Et en plus, je vous dirai de vous répéter, je reprends ma place. Je reprends ma place. Je reprends ma place. Voilà. Très, très beau message encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À très vite. À demain.